Ready? Bon, on est prêt à commencer. Good. Awesome. Lord Jesus, we thank you so much for being together. Seigneur Jésus, on te remercie tellement de pouvoir être ensemble. And let your Holy Spirit give us wisdom. Ton Saint-Esprit nous donne la sagesse. Give us courage. Nous donne du courage. And understanding today. Et la compréhension aujourd'hui. That this weekend will be a turning point. Que ce week-end ça soit vraiment un point de départ. For your church in Switzerland and France. Pour ton église ici en Suisse et en France. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Can anyone tell me what is the gospel? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'évangile? Good news. Bonne nouvelle. Yes, that's the translation. Very good. C'est bien. It's very strange, you know, there are so many words in the Bible that have not been translated. Il y a beaucoup de mots dans la Bible qui n'ont pas été traduits. To make them sound religious. Pour qu'ils aient l'air religieux. Gospel. Le gospel ou l'évangile means just good news. Ça veut dire simplement une bonne nouvelle. A deacon. Un diacre. Means just a servant. Ça veut juste dire un serviteur. Apostle. Un apôtre. Means a sent one. Ça veut dire juste celui qui est envoyé. Baptism. Le baptême. Means to immerse. Ça veut juste dire de immerger. A bishop. Et évêque. Means just a supervisor. Ça veut juste dire celui qui surveille. So it's a very practical words, and they kept them in Greek to make them sound donc c'est juste spiritual. Des mots très pratiques qui ont été conservés en grec pour donner un air plus spirituel. We need to remember that the Bible was written in market language. Et il faut se rappeler que la Bible elle a été écrite vraiment dans le langage de tous les jours. Because the purpose was that everyone could read it. Parce que le but c'était que tout le monde puisse le lire. Not only the educated. Pas seulement ceux qui étaient éduqués et enseignés. The only book in the New Testament that is written with a bit higher level of Greek. Le seul livre qui était écrit dans la Bible qui a un niveau de grec un peu plus élevé. Is Hebrews. C'est le livre d'Hébreux. So gospel means good news. Donc l'évangile ça veut dire bonne nouvelle. Okay, so then let me reformulate my question. Je vais reformuler ma question. What are the good news? C'est quoi la bonne nouvelle? Jesus, salvation. Jésus. Jesus. Le salut. La croix. La cruz. The cross. Yeah. The forgiveness. Christ in us. Christ in us. Uh-huh, uh-huh. All of these answers are correct. Toutes ces choses sont correctes. If we put it all together, et si on met tout ça ensemble, you can read it in 1 Corinthians 15. On peut lire dans 1 Corinthiens 15. You can read from 1 to 8. Les versets 1 à 8, 1 Corinthiens 15. Je veux aussi, mes frères, vous faire souvenir de l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il a été vu de Céphas, ensuite des 12 apôtres, qu'après cela il a été vu de plus de 500 frères en une seule fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Depuis, il se fit voir à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Et après tous, il m'est aussi apparu comme un avorton, car je suis le moindre des apôtres. Good. So that is the gospel. Donc ça, c'est l'évangile. Paul describes it very concisely. Paul le décrit de manière très concise. The good news. La bonne nouvelle. Is. C'est. You live in the kingdom of darkness. Vous vivez dans le royaume des ténèbres. But God decided to pay your punishment. Mais Dieu a décidé de payer votre punition. And he sent et the il a anointed envoyé one. Celui qui est oint. That's what Christ means. C'est ça que ça veut dire Christ. The anointed one. Celui qui est oint. That's what Messiah means. C'est ça que ça veut dire le Messie. The anointed one. Celui qui est oint. You know what anointing is? Et vous savez ce que c'est que l'onction? It's not what Benny Hinn does. C'est pas ce que Benny Hinn fait. Anointing is when l'onction. In the Old Testament, you know, the prophet would put oil on the new king. Dans l'Ancien Testament, en fait, le prophète, il mettait de l'huile sur le front du nouveau roi.
For specific functions, for priests, they would be anointed. Pour des fonctions particulières, les prêtres étaient oints. That's a physical and a spiritual thing. C'était quelque chose de physique et de spirituel. But the anointed one, mais celui qui est oint, the Messiah, le Messie, was the one that was going to come to rescue Israel. C'est celui qui allait venir pour sauver Israël. And to establish the kingdom of God. Et établir le royaume de Dieu. And if you read the Gospels, et si vous lisez les évangiles, Jesus said the gospel of the kingdom would be announced. Jésus a dit que l'évangile du royaume serait annoncé. Not just the gospel. Pas juste l'évangile. The gospel of the kingdom. Mais l'évangile du royaume. So we're speaking about the good news of the kingdom. Donc on parle de la bonne nouvelle du royaume. Paul says here, these are the good news that I announce to you. Paul dit ici, c'est ça la bonne nouvelle que je vous annonce. By which you stand. Sur laquelle vous vous tenez. If you keep believing. Si vous continuez de croire. Because like I said, you can come out of the kingdom as well. Parce que comme je l'ai dit, on peut aussi sortir du royaume. And the good news are that God sent his anointed one. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son oint. And he came to die. Et il est venu pour mourir. And he fulfilled all the scriptures. Et il a accompli toutes les écritures. The entire Old Testament is a picture of Jesus. Tout l'Ancien Testament donne l'image de Jésus. Jesus told the Pharisees and the scribes, all the law speaks about me. Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes, toute la loi parle de moi. When he walked in Emmaus with those two disciples. Quand il a marché sur la route d'Emmaüs avec ses deux disciples. The Bible says he explained from the law and the prophets everything about him. La Bible dit qu'il a expliqué depuis la loi et les prophètes tout ce qui parlait de lui. If you don't understand the Old Testament, it's going to be very difficult to understand the New Testament. Si vous comprenez pas l'Ancien Testament, ça va être très difficile de comprendre le Nouveau Testament. I'm not a Jew. Et je suis pas juif. I don't wear a thing on my head at home. Je porte pas un truc comme ça sur ma tête. And I don't celebrate the Sabbath. Et je célèbre pas le sabbat. But I honor the law. Mais j'honore la loi. Because it's beautiful. Parce que c'est beau. And you see how thousands of years before Jesus, God had the agenda of sending him. Et on voit comment des milliers d'années avant Jésus, Dieu avait déjà prévu de l'envoyer. It's amazing. C'est étonnant. It's amazing to teach your kids. C'est étonnant d'enseigner ça à ses enfants. And that's what God said to the Jews. Show this to your children. A dit aux Juifs. Every day. Montrez ça à vos enfants tous les jours. When you wake up, when you go to bed. Quand vous vous levez le matin, quand vous allez vous coucher le when soir. When you go out. Quand vous sortez. They need to know. Ils ont besoin de savoir. And Jesus was not a Christian. Et Jésus n'était pas chrétien. He was a Jew. Il était juif. I don't say you have to be a Jew. Je dis pas que vous devez être juif. But you need to understand. Mais vous devez comprendre. What was God's agenda? Quel était le but de Dieu? The Jewish law has a very important piece. La loi juive, elle a cette partie très importante. It's not the only piece. Mais c'est pas la seule chose. There are many others. Il y en a beaucoup d'autres. But it's an important one. Mais ça, c'est une partie importante. And Jesus fulfilled the 613 commandments of the law. Et Jésus a accompli les 613 commandements de la loi. He didn't break the law. Il a pas enfreint la loi. He fulfilled it fully. Il l'a accompli complètement. But he destroyed the traditions of the elders. Mais il a détruit les traditions des anciens. Because the Jews made a parallel kingdom to the kingdom of God. Parce que les Juifs ont créé un royaume parallèle au royaume de Dieu. They made more than 200,000 laws. Ils ont créé plus de 2200 lois. To explain the Torah. 200 000 lois pour expliquer la Torah. We're crazy. C'est fou. But we are crazy too. Mais nous aussi. We still make laws. On fait encore des lois. Church. L'église. This is allowed, that is not allowed. Ça c'est permis, ça c'est pas permis. When do you meet? Quand est-ce qu'on se réunit? Who is the leader? Qui est le chef? We make laws. On fait des lois aussi. It's in our nature. C'est dans notre nature. So the gospel is Jesus crucified. Donc l'évangile, c'est Jésus crucifié, sent by God, envoyé par Dieu, fulfilling all the prophecies, qui a accompli toutes les prophéties. But the most important part, mais la partie la plus importante, is Jesus resurrected. C'est Jésus ressuscité. Because that proved that he was the Messiah. A prouvé qu'il était le Messie. Jesus sent, Jésus a été envoyé. Jesus holy life, sa vie sainte. Jesus crucified, Jésus crucifié, and Jesus resurrected. Et Jésus ressuscité. Those are the good news. Ça, c'est la bonne nouvelle.
So when you tell someone, donc quand vous dites à quelqu'un that Jesus has resurrected, que Jésus est ressuscité, you need to bring the proofs. Alors il faut amener la preuve. We need to be able to prove that Jesus is alive. Prouver que Jésus est vivant. When you prove that he is the living king. Quand vous prouvez qu'il est le roi vivant. The kingdom is coming. Alors le royaume vient. And there are many ways to do that. Et il y a beaucoup de façons de faire ça. There's miracles. Il y a des miracles. With the Europeans works a lot of reasoning. Avec les Européens, il y a beaucoup de raisonnement. Because people here are thinkers. Parce que des gens comme ça ils pensent. And it's good because faith is not blind. Et c'est bien parce que la foi n'est pas aveugle. Blind faith is a stupidity. Une foi aveugle, c'est stupide. You need to know what you believe. Il faut savoir ce qu'on croit. And why is it true? Et pourquoi est-ce que c'est vrai? Did Jesus resurrect? Yes or no? Est-ce que Jésus est ressuscité, oui ou non? Can you prove it? Est-ce que vous pouvez le prouver? You should be able to prove it. Vous devriez pouvoir le prouver. Those are the good news. Ça, c'est la bonne nouvelle. Paul proved it here with Paul the prophecies. L'a prouvé ici avec les prophéties. And with hundreds of witnesses. Et avec des centaines de témoins. Those are the good news. Ça, c'est les bonnes nouvelles. So people need to know. Donc les gens doivent savoir. The bad news. La mauvaise nouvelle. Before they hear the good news. Avant d'entendre la bonne nouvelle. Many times we make the mistake. We tell straight the good news. Souvent on fait cette erreur de donner la bonne nouvelle d'abord. But they are happy. Mais les gens sont contents. Why do I need to believe in that? Pourquoi est-ce que je dois croire en ça? They need to know they are dying. Les gens doivent savoir qu'ils sont en train de mourir. They need to know they have an appointment with God. Ils doivent savoir qu'ils ont un rendez-vous avec Dieu. Nobody escapes that. Que personne ne va échapper à ça. The only thing 100% sure in life. La seule chose à 100% certaine dans la vie. Is death. C'est la mort. Nobody escapes. Personne n'y échappe. Facing God face to face. Et on va se retrouver face à face avec Dieu. That can be tonight. Ça peut être ce soir. Nobody escapes that. Personne ne va échapper à ça. So they need to know the bad news. Donc il faut savoir quelle est la mauvaise nouvelle. Before we tell the good news. Avant qu'on puisse dire quelle est la bonne nouvelle. If they understand the bad news. S'ils comprennent la mauvaise nouvelle. And they believe the good news. Et qu'ils croient la bonne nouvelle. Then they repent and get baptized. Alors là, ils vont se repentir et être baptisés. That's the complete message. Ça c'est le message complet. And all of that. Et tout ça. Is the easiest part. C'est la partie la plus facile. The birth. La naissance. That's the nicest, easiest part. C'est la partie la plus simple, la plus facile. How many here are married? Combien ici sont mariés? Okay, be honest with me. Soyez honnête. Sex is nice. Le sexe, c'est sympa. Raising kids. C'est bien. Élever des enfants. It's another story. C'est une autre histoire. Right? Ouais. It's nice to go and preach the gospel and baptize people. C'est bien d'aller évangéliser et prêcher l'évangile et puis baptiser les gens. That's spiritual sex. Ça c'est du sexe spirituel. Celebration. Ah, c'est super, ah, fête et tout. But then comes a baby. Mais ensuite il y a le bébé. Oh oh. Aïe. He poops. Alors il fait ses besoins. He pees. Il fait pipi. He vomits. Il vomit. And he cries. Et il pleure. Every day. Tous les jours. Especially at night. Surtout la nuit. When you want to rest. Quand vous voulez vous reposer. Cries. Il pleure. And that's not part. Not, that's not nice. Et ça c'est pas agréable. And you cannot take glory from that et part of the work. Vous pouvez pas vous glorifier dans cette partie-là du travail. We got our sixth baby. Nous on vient d'avoir notre sixième bébé. Everybody comes. Tout le monde vient. You get cards. Et on reçoit you des get cartes. Gifts. Des cadeaux. Ah, beautiful. Ah, c'est super. You put pictures of your baby on des Facebook. Photos de son bébé sur Facebook. Oh, so beautiful. Ah, c'est tellement super. But you don't put pictures of your baby with poop all over. Mais on met pas des photos de votre bébé tout sale quand il fait dans sa couche. At 4 in the morning with your big black eyes. Ou à 4 heures du matin quand vous avez des cernes. When you just want to kill him. Quand vous voulez juste l'étrangler. But you love him. Mais vous l'aimez. You don't put pictures of you raising your 4-year-old boy. Des photos de vous en train d'élever votre enfant de 4 ans. Or when you have a fight with your teenager. Quand vous vous bagarrez avec votre ado. There's no glory in that. Il y a pas de gloire là-dedans. You cannot capture that on one selfie. On peut pas capturer ça sur un selfie. That's the anonymous, quiet, silent work of raising kids. Ça c'est le travail silencieux et anonyme d'élever les enfants. And if you are successful. Et si vous réussissez. Everybody will know your son. Alors tout le monde connaîtra votre fils.
But nobody will honor you. Mais personne ne vous honorera vous. Who honors the parents of? Qui honore les parents de? Obama. Je sais pas, Obama. I don't know. Someone sais respected pas, by n'importe qui, someone. Quelqu'un qui peut être respecté par d'autres. Who knows the parents of Messi? Qui connaît les parents de Messi? No idea. On a aucune idée. We're crazy about the big picture, guy. On aime la personne qui est là. So if a father or a mother is successful, et si un père ou une mère a du succès, they are anonymous. Alors ils seront anonymes. They are worn out at the end. Ils sont épuisés à la fin. They are old and finished. Ils sont vieux, ils sont finis. But their children are successful. Mais leurs enfants ont du succès. Are greater than them. Et ils sont plus grands qu'eux. And they give them grandchildren. Et ils leur donnent des petits enfants. That's children. Ça c'est les enfants. That's it. They cry, they fight. Ils pleurent, ils se disputent. And that's a perfect picture of discipleship. C'est une image parfaite de faire des disciples. It resembles discipleship in every Ça angle. Ça ressemble au fait de faire des disciples dans tous les points de vue. Every angle. Tous les points de vue. So, we spoke first about the kingdom. Donc on a parlé d'abord du royaume. No? Or darkness or light. Soit le Satan, soit Dieu, soit les ténèbres, soit la lumière. And if we have faith in the good news. Et ensuite on a la foi. Dans la bonne nouvelle, and we obey them, et on lui obéit, we come into the kingdom and we stay in the kingdom. Alors on rentre dans le royaume et on reste dans le royaume. It's faith and obedience. C'est la foi et l'obéissance. Not just faith. Pas juste la foi. Obedience is the key word for discipleship. L'obéissance, c'est la clé de faire des disciples. Jesus said it. Et Jésus l'a dit. The Great Commission. La grande mission. You know it? Vous la connaissez? Somebody knows it by heart. Est-ce que quelqu'un la connaît par cœur? Can somebody say it? Est-ce que quelqu'un peut le dire? In French. En français? Allez. Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer mes commandements. Yeah, you missed one. Et baptisez-les en mon nom et enseignez-les à suivre mes commandements. Je n'ai parlez pas français. So Jesus said, you know, go to all the nations. Jésus a dit, allez dans toutes les nations. And make them my disciples. Et faites-en mes disciples. Baptizing them. Baptisez-les. And teaching them. Et enseignez-les. To obey. À obéir. What I said. Ce que j'ai dit. Not teach them what I said. Pas leur enseigner ce que j'ai dit. But teaching them to do it. Mais leur enseigner à le faire. How can I teach you comment to be holy? Est-ce que je peux vous enseigner à être saint? Can you teach someone to be holy? Est-ce qu'on peut enseigner à quelqu'un d'être saint? Yeah, you can. That's your mission. Ouais, c'est votre mission. But I cannot teach you that in a lesson like this. Mais je peux pas vous enseigner comme ça, comme une leçon. You need to see holiness in me. Vous devez voir la sainteté en moi. Can you see holiness in me in a weekend? Si. Est-ce que vous pouvez voir la sainteté en moi dans un weekend? No. Non. You need to go to my house. Alors il faut venir chez moi. You need to see how I fix a fight with il my wife. Il faut voir comment je règle un problème avec ma femme. You need to see how I raise my kids. Il faut voir comment j'élève mes enfants. You need to see how I make money. Il faut voir comment je gagne de l'argent. You need to see me paying taxes. Il faut me voir payer des impôts. You need to see me driving. Me voir conduire. You need to see me suffering. Me voir souffrir. Praying. Prier. Working for the king. Travailler pour le royaume. Then. Et ensuite. You will ask me how do I get to that? Vous pourrez dire comment est-ce que je peux arriver à ça? And then I will work with you little by little. Et ensuite, je peux travailler avec vous petit à petit. As the Holy Spirit reveals it to comme you. Comme le Saint-Esprit vous révèle des choses. One day you realize, oh, pornography is not good. Et puis un jour, vous vous rendez compte que la pornographie c'est pas bon. How do I stop? Mais comment est-ce que j'arrête? I watch it every day on Parce my que phone. Je regarde ça tous les jours sur mon téléphone. I can't stop anymore. Je peux plus arrêter. And then I have to come into your life. Et là, je dois venir dans ta vie. I need to see how you live. Je dois voir comment toi tu vis. And then I need to see how you work. Et ensuite, je dois voir comment toi tu travailles. It's two ways.
Ça va dans les deux sens. You see me? Vous me voyez moi? And if you desire to have what I have? Et si vous voulez avoir ce que j'ai? And I desire to give to you what I have? Et que moi je désire vous donner ce que j'ai? Then I step into you. Alors moi je vais entrer dans ta vie. And I go to your life. Et je vais aller dans ta vie. And I see your marriage. Et voir ton mariage. And I see your children. Et voir tes enfants. And I see your job. Et voir ton travail. I see what you earn, I see what you eat. Ce que tu gagnes, ce que tu manges. And then I can help you. Et ensuite, je peux t'aider. Take you by the hand. Te prendre par la main. And we walk together. Et on va marcher ensemble. From victory to victory. De victoire en victoire. Up to the point where I don't need to hold you anymore. Jusqu'à ce que j'ai plus besoin de te tenir la main. Because then you can do it alone. Parce que toi, tu peux le faire tout seul. That's what Paul wrote to the Colossians. Et c'est ce que Paul a écrit aux Colossiens. You grow fully. Vous allez grandir pleinement. In knowledge. Dans la connaissance. Power. La puissance. Faith. La foi. And so on. Et tout ça. So it's faith and obedience. Donc c'est la foi et l'obéissance. Teach them to do everything that I said. Enseignez-leur à faire tout ce que j'ai dit. So you first have to do everything he said. Donc d'abord vous devez faire tout ce qu'il a dit. Before you can teach it. Avant que vous puissiez l'enseigner. Right? D'accord. You want to make disciples? Si vous voulez faire des disciples. You first need to be a disciple. Vous devez d'abord être un disciple. Because everyone is a disciple. Parce que tout le monde est un disciple. The question is whom disciple are you from? La question c'est un disciple de qui? Are you a disciple of your culture? Est-ce que vous êtes un disciple de votre propre culture? A disciple of your career? Un disciple de votre carrière? A disciple of your friends? Un disciple de vos amis? A disciple of your church? Un disciple de votre église? Or a disciple of Jesus? Ou un disciple de Jésus? You are a disciple. Vous êtes un disciple. You are learning from someone. Vous êtes en train d'apprendre de quelqu'un. Lifestyle. Le style de vie. Principles. Les principes. Music. La musique. Choices. Les choix. And most of it comes automatically. Et la plupart vient naturellement. If you want to be a follower of Jesus, you need to make a choice. Vous voulez suivre Jésus, alors vous devez prendre une décision. And stick to that choice. Et rester collé à cette décision. Obedience. L'obéissance. Faith and obedience. La go together. Foi et l'obéissance, ça va ensemble. So if you are in the kingdom of God, donc si vous êtes dans le royaume de Dieu, you have faith in the good news, vous avez la foi dans la bonne nouvelle, and you obey them. Et vous lui obéissez. If you obey the good news, et si vous obéissez à la bonne nouvelle, part of it is that you bring others to obedience to the good news. Une partie, c'est que vous en amenez d'autres à l'obéissance de la bonne nouvelle. You are the ambassador of the kingdom of light. Vous êtes l'ambassadeur du royaume de la lumière. Coming into Nineveh. Qui entre à Ninive. God is going to burn you. Dieu va vous brûler. Turn around. Détournez-vous. Same, you're a Jonah. C'est la même chose, vous êtes comme Jonas. We're hoping that the people will turn around. On espère que les gens vont se retourner. So we are an army. Donc on est une armée. We are ambassadors. On est des ambassadeurs. We are priests. On est des sacrificateurs. Because we don't only say it. Parce que non seulement on le dit. We set people free. Mais on libère les gens. From sickness. De maladies, from demons, de démons, from suffering, de souffrance, from an empty life, d'une vie vide. We bring them to the knowledge of the king. On les amène à la connaissance du roi and their father. Et le père. So we need strategy. Donc on a besoin de stratégie. I know that if many of you maybe, I guess, have come out of traditional churches. Peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes sortis d'églises traditionnelles. With traditional, I mean the following. Et traditionnel, par là, je veux dire. A church where pews, une église avec des bancs, or chairs, ou des chaises, and a stage with a pulpit, une estrade avec un pupitre, the teacher teaching, avec un enseignant qui enseigne. So it can be from Catholic ça peut être catholique, to modern Baptist, ça peut être des églises baptistes, to free evangelical, des églises évangéliques libres, any of those, peu importe. So if you come from that. From that culture, donc si vous venez de cette culture-là, and you came to understand the New Testament, et que vous avez compris le Nouveau Testament, that creates automatically phobia, ça crée forcément une phobie, allergy, une allergie, rejection, et un rejet, towards anything that looks like that, envers tout ce qui ressemble à ça. Towards leaders, envers les leaders, towards a program, envers un programme, towards hierarchies, envers la hiérarchie, structures. La structure. When you will mention those words to me 2 years ago, si vous m'aviez parlé de ça il y a 2 ans,
I would get. Like a cat, you know. Comme un chat qui est prêt à attaquer. Because it hurt me. Parce que ça m'a fait mal. And I had a wound. Et j'avais une blessure. From the traditional church system. De des églises traditionnelles et de leur système. But there is a structure in the Bible. Mais il y a une structure dans la Bible. And there are leaders in the Bible. Et il y a des leaders dans la Bible. And there is a program in the Bible. Et il y a un programme dans la Bible. And there is an agenda. Et il y a un agenda, un but. That is the total opposite of the church world today. Et c'est l'inverse complet du monde de l'église aujourd'hui. But we need to understand it. Mais on doit comprendre ça. Because we are the church of Christ. Parce que on est l'église de Christ. His ambassadors, his priests. Ses ambassadeurs, ses sacrificateurs. And we need to have strategy. Et on doit avoir une stratégie ou des stratégies. How many of you grew up in a family? Combien d'entre vous avez grandi dans une famille? Functional or dysfunctional, but family after all. Qu'elle soit bien fonctionnante ou d'autres, ok. And families have a structure. Et les familles, elles ont une structure. You eat at a certain time. On mange à une certaine heure. Someone brings the money. Il y a quelqu'un qui ramène de l'argent. Someone does the shopping. Il y a quelqu'un qui fait les courses. Somebody cleans. Il y a quelqu'un qui nettoie. Some go to school. Il y a quelqu'un qui va à l'école. Somebody works. Il y a quelqu'un qui travaille. There is a structure. Il y a une structure. Even if you don't want it. Même si vous n'en voulez pas. The structure comes. La structure, elle vient. The life is full of structure. La vie, elle est pleine de structure. How does a baby come to life? Comment est-ce qu'un bébé vient à la vie? No, I don't like sex. Ah ben non, moi j'aime pas le sexe. I want to begin with the contractions. Je veux commencer avec les contractions. But if you're not pregnant, mais si vous n'êtes pas enceinte, something else will come out. Quelque chose va sortir. There is order. Il y a un ordre. Creation has order. La création, elle a un ordre. Nature has order. La nature, elle a un ordre. The church has order. L'église, elle a un ordre. So, the word in the Bible used for church is the word ecclesia. Donc le mot dans la Bible utilisé pour église, c'est ecclesia. It is a political word. Et c'est un mot politique. Used by the Greek utilisé nations. Par les nations grecques. They would have a big auditorium. Et ils avaient un grand auditorium. And where there were choices to be made. Il y avait des choix à faire. There was a war to fight. Il y avait une guerre à faire. Or anything important. Ou autre chose d'important. They would call the ecclesia. Alors ils appelaient l'ecclesia. And everybody would come out of their houses. Et tout le monde sortait de ses maisons. And all the citizens would meet. Et tous les citoyens se réunissaient. To make choices. Pour prendre des décisions. And to plan strategies. Et pour préparer des stratégies. And Jesus chose that word et for Jésus us. A choisi ce mot-là pour nous. And he also called us his body. Il nous a aussi appelé son corps. Which reveals the structure because the body is the body of Christ, he's the head. Il révèle une structure parce que c'est le corps de Christ, c'est lui la tête. The head chooses what to do with the body. La tête choisit ce qu'elle va faire avec le corps. My head has chosen not to do sports. Ma tête a choisi de pas faire de sport. You see the consequences? Et vous voyez les conséquences. So everybody who is obedient to the head is part of the body. Donc tout le monde qui obéit à la tête fait partie du corps. So you will find the body of Christ. Donc vous allez trouver le corps de Christ. In house groups. Dans des groupes de maisons. Also in the traditional churches. Et aussi dans les églises traditionnelles. Some. Certaines. No, maybe very little. Peut-être très peu. But there are some who are there. Mais il y en a qui sont là. And you will find them in underground movements. Et vous en trouverez dans des mouvements souterrains. You will find his body everywhere. Vous trouverez son corps partout. And we're also the bride of Christ. Et on est aussi l'épouse de Christ. We are expecting the husband to come to pick us up. On s'attend à ce que le mari vienne nous chercher. Do you know the weddings in the times of Jesus? Est-ce que vous connaissez les mariages dans le temps de Jésus? It was different than here. C'était différent de maintenant. When the bride accepted the groom, quand l'épouse acceptait le mari, there was a contract. Il y avait un contrat. A pact. Un pacte signé. And the husband and the father of the wife. Et le mari et le père de l'épouse. They would agree on a price. Sur un prix. And the husband had to leave and go prepare place for his wife. Et le mari devait partir et préparer un endroit pour sa femme. And the groom would go to his father's house. Et le mari allait à la maison du père. Build an extension. Il construisait une extension. Gather à la money. Maison de son père. Get money or camels or things together. Récolter de l'argent ou des chameaux, des choses. To pay the price of the bride. Pour payer le prix pour l'épouse. And this would take 1 or 2 years. Et ça prenait 1 à 2 ans.
In those years, he will not see the bride. Dans ces années, il ne voyait pas l'épouse. And only the father of the groom. Il y a que le père du mari. Could tell the groom when he could pick the bride. Qui pouvait dire au mari quand il pouvait aller chercher l'épouse. And the bride didn't know when he was coming. Et l'épouse ne savait pas quand il allait venir. But she had to be ready. Mais elle devait être prête. And she was covered. Et elle était couverte. And everybody knew she is the wife of that man. Et tout le monde savait que elle c'est la femme de cet homme-là. From the engagement, they were already husband and wife. À partir du moment où ils ont signé leur contrat, ces fiançailles, ils étaient déjà mari et femme. But they didn't have the right of having sex and living together yet. Mais ils n'avaient pas encore le droit d'avoir des relations sexuelles et de vivre ensemble. That was only when the groom had everything prepared. Ça, c'était uniquement quand le mari avait tout préparé. And that's what Jesus said. Et c'est ce que Jésus a dit. I will leave you. Il a dit, je vais partir. But I will come back to you. Mais je vais revenir. And I will prepare a place for et you. Je vais préparer un endroit pour in vous. The house of my father. Dans la maison de mon père. And I will come to pick you up. Et je vais venir vous chercher. It's exactly the same c'est picture. Exactement la même image. He has paid the price il already. A payé le prix déjà. He's only preparing a place. Il est juste en train de préparer un endroit. And only the father knows when et he will send the son. Il y a le père qui sait quand il va envoyer le fils. And it's the same in his kingdom. C'est la même chose dans son royaume. We are engaged. On est fiancé. So we are already his bride. Donc on est déjà son épouse. We are already his wife. On est déjà sa femme. But our marriage has not yet been established. Et notre mariage n'a pas encore été établi. The kingdom is here. Le royaume est là. But the kingdom is to come. Mais le royaume est à venir. So that's the moment we are in. Donc c'est dans cette période-là qu'on se trouve. And you know the parable of the 10 virgins? Et vous connaissez la parabole des 10 vierges? They were foolish. Elles étaient folles. Because they had no strategy. Parce qu'elles n'avaient pas de stratégie. They didn't prepare well enough. Elles se sont pas préparées assez bien. And they were sent to hell. Et elles ont été envoyées en enfer. You know the parable of the talents. La parabole des talents. Talent was money. Les talents c'était l'argent. It's 1 year salary. C'était le salaire d'une année. And the one that had five. Et celui qui avait cinq. He gave 10 back. Il a rendu 10. And the one who had two, et celui qui avait deux, he gave 4 back. Il a rendu 4. And they both had the same reward. Et ils ont tous les deux eu la même récompense. It didn't have to do with the amount. Ça n'avait rien à voir avec le montant. It had to do with obedience. Ça avait à voir avec l'obéissance. Because the Bible says that each one was given according to what they could handle. Parce que la Bible dit que à chacun on a donné ce qu'il pouvait gérer. The master knew that if he gave 5 talents to the one who received 2, he would destroy it. Le maître savait que s'il donnait 5 talents à celui qui en fait en a reçu 2, il l'aurait détruit. So he gave him what he could handle. Donc il lui a donné ce qu'il pouvait gérer. And when they brought 1 10 and 1 4, et quand ils ont chacun ramené 10 et 4, they had the same reward. Les deux ont eu la même récompense. Because it was not about the amount. Parce que c'était pas à propos du montant. It was about the obedience. C'était à propos de l'obéissance. But the one who had only one, et celui qui avait que un, he was cast in hell. Il a été envoyé en enfer. And he was a servant. Et il était un serviteur. Just like the other guys. Tout comme les deux autres. He was expelled from the kingdom. Et il a été rejeté du royaume. Not because he had one. Pas parce qu'il avait que un. But because he did nothing. Mais parce qu'il a rien fait. So you see how important. Donc vous voyez comme c'est important. It is that we have a strategy. D'avoir une stratégie. And then we reach the goal that the king has given us. Et on va atteindre le but que le roi nous a donné. The goal of one might be 5,000. Le but d'une personne, ça sera peut-être 500,000. The goal of the other one would be to raise her children. Le but de quelqu'un d'autre, ça sera peut-être d'élever ses enfants. The goal of one would be to feed the children of someone else. Le but de quelqu'un d'autre, ça serait peut-être de nourrir les enfants de quelqu'un d'autre. The work of the other one would be to be the midwife in many deliveries. Et le travail de quelqu'un d'autre, ça sera peut-être d'être la sage-femme dans beaucoup de naissances. We don't do all the same. On fait pas tous la même chose. But if we work as a body, mais si on travaille ensemble comme un corps, together we bear children. On va porter des enfants. So that then we present ourselves to the king. Pour qu'ensuite on puisse se présenter devant le roi. We can say, Lord, I did what you sent me to Seigneur, do. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as envoyé faire. Here it is. Voilà. Whatever that is. Quoi que ce soit. It's not about the number. Il s'agit pas du nombre. It's not about the glory. Il s'agit pas de la gloire. But it is about achieving that goal. Mais il s'agit d'atteindre son but. Make disciples of Jesus. De faire des disciples
de Jésus. Rescue those who are in darkness. Qu'on récupère, qu'on sauve ceux qui sont dans les ténèbres. Go. Qu'on aille. It means the right people group. Aller, ça veut dire vers les bonnes personnes. You are not sent to the whole planet. Vous n'êtes pas envoyé à la terre entière. You need to find who you're going to. Vous devez trouver vers qui vous allez. The streets. Les rues. Or maybe your friends. Peut-être vos amis. Or maybe your family. Peut-être votre famille. Maybe your colleagues. Peut-être vos collègues. Your household. Votre maisonnée. Another country. Un autre pays. You need to find that out. Vous devez trouver. Where is God sending you? Où est-ce que Dieu vous envoie? To who? Vers qui? And once you are sent, you have to go. Et une fois que vous êtes envoyé, vous devez y aller. You have to leave your comfortability. Vous devez quitter votre confort. Jesus, the leading apostle. Jésus, c'est l'apôtre par excellence. He left the Father. Il a quitté le Père. His perfect place. Son endroit parfait. To his mission territory. Pour venir vers son territoire missionnaire. And he became like us. Et il est devenu comme nous. He didn't come with glory and angels. Il n'est pas venu avec la gloire et les anges. He came like a poor man. Il est venu comme un pauvre homme. If I want to evangelize the gypsies, si je veux évangéliser les gitans, I need to be where they are. Alors je dois être là où ils se trouvent. To understand how they think. Pour comprendre comment ils pensent. Otherwise, I cannot preach them the gospel. Sinon, je peux pas leur prêcher l'évangile. Many times when I get invited to another country, très souvent quand je suis invité dans un autre pays, they want to pay me hotel, you ils know. Veulent payer l'hôtel et tout ça. But I don't want that. I want to stay moi, in the house of the people. Je veux rester chez les gens. I want to see what they eat at je the table. Je veux voir ce qu'ils mangent à table. How can I preach to them if I don't know how they live? Leur prêcher si je sais pas comment ils vivent. And I have slept in very crazy places. Et j'ai dormi dans des endroits vraiment fous. But I need to see the real life. Je dois voir la vraie vie. It's easy for me to come to someone and say, you have to go evangelize. C'est facile pour moi de venir et dire il faut que vous alliez évangéliser. But I don't know if they have money to go. Mais je sais pas s'ils ont de l'argent pour y aller. I don't know if they first need to fix their own life. Je sais pas si d'abord ils ont pas besoin de régler des choses dans leur propre vie. I cannot send you to evangelize if you are not saved. Je peux pas vous envoyer évangéliser si vous êtes pas sauvé. Or if you don't understand the gospel. Ou si vous comprenez pas l'évangile. What are you going to say? Qu'est-ce que vous allez leur dire? I need to see your life. J'ai besoin de voir votre vie. That's apostleship. C'est ça la relation d'apôtre. That's discipleship. C'est ça la relation de disciple. You need to understand the life of those who you're that you're bringing to Christ. La vie de ceux qu'on amène à Christ. So you see that's the depth of church. Donc ça c'est vraiment la profondeur de l'église. We are as a bride we're being prepared. En tant qu'épouse, on est en train d'être préparé. We are being cleansed. On est purifié. We're being holy, made holy. On est en train d'être sanctifié. As the body. Comme le corps, en tant que corps. We are obedient. On est obéissant. To the head. À la tête. Go, where do we go? Va, où est-ce qu'on va? And we have a mission, make disciples. Et on a une mission de faire des disciples. The mission is not evangelize. La mission ça n'est pas d'évangéliser. The mission is not heal the sick. La mission, ça n'est pas de guérir les malades. The mission is make disciples. La mission, c'est de faire des disciples. Evangelism and healing is part of making disciples. Évangéliser et la guérison, ça fait partie de faire des disciples. But it's not the mission. Mais ça n'est pas la mission. Many mothers call me. Beaucoup de mères m'appellent. So I want to serve Christ. Et elles disent, je veux servir Christ. But I have children. Mais j'ai des enfants. I'm like. Duh, of course. Je leur dis bah oui évidemment. How can I serve Christ if I Comment have children? Comment est-ce que je peux servir Christ quand j'ai des enfants? Except your children. Tes enfants. You have to raise your children. Il faut que tu élèves tes enfants. You have to be a wife to your husband. Il faut que tu sois une épouse pour ton mari. Forget about evangelism. Oublie l'évangélisation. That will come. Ça viendra. First mother, first wife. D'abord, sois une mère, sois une épouse. Because it's different from men. Parce que c'est différent. Your family is not a hindrance. Votre famille, ça n'est pas une gêne. If your family is not doing well, si votre famille ne va pas bien, forget about making disciples. Alors oubliez de faire des disciples. Disciple your family first. Mais corrigez votre famille d'abord. And if you don't agree with me, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ask Paul. Alors demandez à Paul. The elders, the deacons, les anciens, les diacres, they should have a good wife. Ils doivent avoir une bonne épouse. And they should raise their kids in obedience. Et ils doivent élever leurs enfants dans l'obéissance. In love and respect. Dans l'amour et le respect. Before they make the disciples. De faire des disciples. It's written. C'est écrit. So it's you know so we need to function correctly. Donc on doit fonctionner de manière correcte.
So the church has a double work. Alors l'église elle a un double agenda. We have the work outside with the sinners, with the darkness. L'œuvre à l'extérieur avec les pécheurs, avec les ténèbres. Fighting Satan. De lutter contre Satan. Evangelizing and bringing the good news. Évangéliser, d'amener la bonne nouvelle. And we have a side inward side. Et on a une partie intérieure. Where we help each other. Où on s'aide les uns les autres. I'm not only teaching things. Non seulement j'enseigne des choses. I'm demonstrating things. Mais je les démontre. And I'm walking together with my brothers. Et je marche avec mes frères. And I'm helping them. Et je les aide. And I show them my weakness. Et je leur montre mes faiblesses. I'm not their boss. Je suis pas leur chef. I'm their servant. Mais je suis leur serviteur. My mission is to disappear. Ma mission c'est de disparaître. So that they become successful. Pour que eux deviennent et du succès. Make sense? Ça a du sens. That's the nature of church. Ça c'est la nature de l'église. And Jesus is the owner. Et Jésus c'est le propriétaire. He makes the choices. C'est lui qui prend les décisions. Jesus said to Peter. Jésus a dit à Pierre. I will build up my church. Je vais construire mon église. Not you. Pas vous. Pas toi. I said Jesus. C'est moi, dit Jésus. So how the church life is going to happen is his choice, not yours. Donc comment l'église va arriver, c'est son choix, c'est pas le vôtre. The apostles. Les apôtres. Paul says they are the master builders. C'est les constructeurs. They receive the commands from the owner. Ils reçoivent les commandements, les instructions du propriétaire. And they build it. Et ils construisent. So we are the ones sent to make disciples. Donc on est ceux qui sont envoyés pour faire des disciples. Peter called the disciple a living stone. Et Pierre a appelé les disciples une pierre vivante. And when you put many disciples together, et quand on met beaucoup de disciples ensemble, you make a house. On construit une maison. Where God comes to live. Où Dieu vient habiter. So, this is the basic of the spiritual reality of church. Donc ça c'est la base de la réalité spirituelle de l'église. How this look like in the practicality? De quoi ça a l'air dans la pratique? It can have a lot of different forms. Ça peut avoir beaucoup de formes différentes. And I will explain you my vision. Et je vous expliquerai ma vision. But it's not 100% biblical. Mais c'est pas 100% biblique. Is how I do it, how it works for me. Comment moi je fais et comment ça marche pour moi. And I can share with you also the vision of other brothers who are successful in their work. Et je peux vous partager aussi la vision d'autres frères qui ont du succès dans ce qu'ils font aussi. And you will make the choices what you do in your reality. Et vous devez décider ce que vous allez faire dans votre réalité. So before I move on. Donc avant d'avancer. Do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Okay, the next one. Oui, la prochaine. Good. No questions? Am I so good? Okay. I had one. You have one. Hebrews 13, you know, the verse that says, obey your leaders. Yeah. A lot of pastors use that verse to say that there has to be pastors and all that. So how do you understand that? Yeah, okay. Dans Hébreux 13, dans le chapitre, il y a un passage qui dit, obéissez à vos dirigeants. Et en fait, il y a beaucoup de pasteurs, de structures qui utilisent ce chapitre et ces versets pour dire que voilà, il doit y avoir une structure sous la forme de ces églises traditionnelles. Mm-hmm. You know Martin Luther? Vous connaissez Martin Luther? The reformer. Le réformateur. Translated the Bible. Qui a traduit la Bible. We owe him a lot. On lui doit beaucoup. Because he made the Word of God available. Parce qu'il a mis à notre disposition la parole de Dieu. There's a second Martin Luther. Il y a un deuxième Martin Luther. Google. Sur Google. Everyone has access now to the Greek and the Hebrew, even if you don't speak those languages. Tout le monde maintenant a accès au grec et à l'hébreu, même si on parle pas ces langues. So you can check the real text. Donc vous pouvez vérifier le vrai texte. Even if you're not a scholar. Même si vous n'êtes pas vraiment érudit. Hebrews 13:13 and 13:17 speak both texts about
Dans Hébreux 13, verset 13 à 17, il y a des versets qui parlent d'obéir à des leaders. There's a war there that is called submit. Et il y a une guerre là qui s'appelle la soumission. Hupotasso in Greek. Et c'est, doesn't matter. Oui, il y a un mot en grec. And it's a word that is telling people to make a voluntary choice. Il y a un mot en fait qui dit qu'on doit faire un choix. To consider the opinion of their leaders. De considérer l'opinion des leaders. It's not saying obey blindly anything they say. Ça veut pas dire obéir de manière aveugle à tout ce qu'ils disent. And the word put for pastors or leaders, whatever your translation says. Le mot qui est mis pour leader ou pasteur, quelle que soit votre traduction. The Greek word is the foregoers. Le mot grec, c'est ceux qui vont avant. People that have walked the path before you. Donc les gens qui ont marché sur ce chemin avant vous. And it also says that to consider the end of their walk. Et ça dit aussi de considérer la fin de leur marche. So it's a very different thing when you just see the whole picture. Donc c'est quelque chose de très différent quand on voit l'image complète. I have a brother. Moi j'ai un frère. Next to me. À côté de moi. In my community. Dans ma communauté. Where I live. Là où j'habite. And I see his life. Et je vois sa vie. I see his marriage. Et je vois son mariage. I see his children. Je vois ses enfants. I see his disciples. Je vois ses disciples. And he comes to me. Et il vient vers moi. As a father. En tant que père. Or as an older brother. Ou en tant que frère aîné. Who has already walked the way I'm starting. Qui a déjà marché sur ce chemin que moi je commence. And he tells me, Fabien, watch out. Et il me dit, Fabien, fais attention. That new job. Ce nouveau travail. Is going to destroy your focus. Il va détruire ton but. Because this. À cause de ça ou de ça. So to me is said by the writer of Hebrews. Donc pour moi, d'après l'écrivain de Hébreux. Submit to him. Il dit, soumets-toi à lui. Doesn't say obey him. Ça veut pas dire lui obéir. Just submit. Mais ça veut dire soumets-toi. Consider what he's saying. C'est-à-dire considère ce qu'il est en train de dire. So maybe I'm so enthusiastic about the new job. Peut-être que je suis tellement enthousiaste à propos de ce nouveau travail. But he's an older brother. Mais lui, il est un frère aîné. And I have seen the fruit of his walk. Et j'ai vu les fruits de sa vie. He's not a stranger. Il n'est pas un étranger. He has authority to talk il to my life. Il a une autorité pour parler dans ma vie. Because he's an example to me. Parce qu'il est un exemple pour moi. And then when he says that to me. Et ensuite, quand il dit ça. I'm not called to. Okay, yes sir, I'm going to do it. Je suis pas. Je vais pas être comme ça. Oui, d'accord, je vais le faire. I'm like, whoa, okay. Ouf. I didn't see that. Mais je vais dire, ah oui, bah, j'avais pas vu ça. Maybe he's wrong. Peut-être qu'il a tort. Let's pray. On va prier. Let's look in the Word of God. On va regarder dans la parole Let's de Dieu. Ask the Holy Spirit. On va demander au Saint-Esprit. And I would consider his opinion. Et je vais considérer son avis. He will not be angry with me if I don't do what he says. Il sera pas fâché avec moi si je fais pas ce qu'il m'a dit. Because it's his opinion. Parce que c'est son opinion. God has put him as a reference because I see the fruit in his life. Et Dieu l'a placé comme référence parce que je peux voir les fruits dans sa vie. And that's Hebrews 13. Et ça c'est Hébreux 13. I have a very good disciple in my city. J'ai un très bon disciple dans ma ville. I never call people my disciples. J'appelle jamais les gens mes disciples. I disciple him. Mais je fais de lui un disciple. But he's not my disciple. Mais il n'est pas mon disciple. He's a disciple of Jesus. Il est un disciple de Jésus. The flock is Jesus. Le troupeau, il appartient à Jésus. Not mine. Il n'est pas à moi. I'm a hired worker. Moi, j'ai été embauché pour travailler. And this man had an idea. Et cet homme, il a eu une idée. That I thought this is not from God. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas de Dieu. Because it didn't fit my vision. Parce que ça n'allait pas avec ma vision. And he asked me three times. Et il m'a demandé trois fois. And I told him, I don't see this from God. Et j'ai dit, pour moi, ça vient pas de Dieu. Fortunately, heureusement, I am not his boss. Je suis pas son chef. I'm his older brother. Je suis son frère aîné. I'm his foregoer. Je suis celui qui va avant lui. So he considered my opinion. Donc il a considéré mon opinion. He waited. Il a attendu. He asked God. Il a demandé à Dieu. But the Holy Spirit said yes. Mais le Saint-Esprit a dit oui. So he did it. Donc il l'a fait. And I blessed him. Et je l'ai béni. And I thought inside of me. Et en moi, je me suis dit. He's going to learn the hard way. Il va apprendre à la manière dure. He will see I was right. Il va voir que j'avais raison. No, I saw he was right. Et en fait, moi, j'ai vu que Because lui avait raison. It was God. Parce que c'était Dieu. Sending him to do something he l'a envoyé. He would never send me to do. Faire quelque chose que moi, il m'aurait jamais Because envoyé faire. God sent him to do something that does not fit my vision. Dieu l'a envoyé faire quelque chose qui n'est pas ma vision. If it's him. Mais si c'est lui. So you see the picture? Donc c'est lui que Dieu a envoyé et pas moi. Submission is not obedience. Donc la soumission c'est pas l'obéissance. It's to consider. C'est de considérer.
définir les différents ministères à l'intérieur de l'Église. So how important do you think it is to define the different ministries inside a church? That's very important. C'est très important. But ministries are different than leadership. Mais les ministères sont différents du leadership. We have people that minister. Minister means to serve one another. Des gens qui exercent un ministère, et ça veut dire servir les uns les autres. And an older brother is guiding the other. Un frère aîné, il va conduire un autre. And it's important to see how that works. Et c'est important de voir comment ça travaille. Because in our Western mentality, we are so business-minded. Parce que dans notre mentalité de l'Occident, on est vraiment basé sur le monde des affaires. Israel was tribe-minded. Israël avait une mentalité de tribu. Nation. La nation. Tribe. La tribu. Clan. Le clan. Family. La famille. Individual. Et l'individu. And this was a chain of respect to the older people. Et il y avait une chaîne de respect envers les aînés. Who had fought the wars. Qui avaient combattu dans les guerres. Who had given you provision of and life and who worked for you. Qui avait pourvu pour vous, qui vous avait donné la vie, qui avait travaillé pour vous. Who had built the society. Qui avait construit la société. And was respect and honor. Et il y avait un respect et un honneur envers ces personnes. Today is anarchy. Aujourd'hui c'est l'anarchie. Individualism. L'individualisme. And democracy. Et la démocratie. Totally different. C'est complètement différent. So we need to. Donc il faut vraiment. To digest it very well. Digérer tout ça. If we speak about ministries, si on parle des ministères, let's put it this way. Hold on. Okay. Let's put here ministries. So a ministry is a function. Un ministère, en fait, c'est une fonction. It's a task. C'est une tâche à accomplir. It's not a position. C'est pas une position. At home, I'm the father. À la maison, je suis le père. And I'm the provider. Et je suis celui qui pourvoit. But I'm also a teacher. Mais je suis aussi un enseignant. I'm also a reinforcer of the law. I have to put rules. Je renforce la loi aussi. Je dois établir les règles. I'm trainer. Je vais former. Very seldom I'm a cook. Très rarement, je cuisine. I'm a friend. Je suis un ami. Many roles. J'ai beaucoup de rôles. They don't define me. Et c'est pas ça qui me définit moi. Those are things that I need to do. C'est des choses que je dois faire. Understand? D'accord, vous comprenez? That's similar to ministry. Ça ressemble au ministère. So the Bible mentions five ministries. La Bible mentionne cinq ministères. Maybe there are more. Peut-être qu'il y en a plus. You know, you can see the famous text of Ephesians. Ephesians 4. Dans Ephésiens 4, c'est le texte principal. So called the fivefold ministry. C'est le texte qui parle des cinq ministères. I don't believe in it as the fivefold ministry. Je crois pas que c'est les cinq ministères. Like a black and white rule. Comme si c'était noir et blanc comme règle. Because it's mentioned only one time. Parce qu'on n'en parle qu'une seule fois. In a context. Dans un contexte. But it does mention five. Mais c'est vrai qu'il y en a cinq de mentionnés. And we see those five many times in the Bible. Et on voit ces cinq ministères plusieurs fois dans la Bible. The first one is the apostle. Le premier, c'est l'apôtre. You know this word, post? Ce mot, post. Post office. Comme la poste. Postal card. Comme les cartes postales. Post means sent. Post, ça veut dire envoyé. Apostolos. Apostolos. Was a type of slave. C'était une sorte d'esclave. In the Greek society. Dans la société grecque. That was sent. Qui était envoyé. To do difficult things. Pour faire des choses difficiles. The dangerous things. Des choses dangereuses. For example, if a master had money. Par exemple, si un maître avait de l'argent. And he needed to send money to another. Et qu'il place, devait envoyer de l'argent à un autre endroit. There was no PayPal. Il y avait pas PayPal. So he sent an apostle. Donc il envoyait un apôtre. Because he knew it was a big chance he would get killed. Il savait qu'il y avait une grande chance qu'il soit tué. The roads were dangerous. Les routes étaient dangereuses. So he said, okay, if they kill the apostle. Donc ils se disent, s'ils tuent l'apôtre. I will send another one.
Bah, c'est pas grave, j'en enverrai un autre. He will never send the housekeeper. Il va jamais envoyer la personne qui s'occupe de la maison. He was too important. Parce que c'était quelqu'un trop important. He managed all the money. Il s'occupait de tout l'argent. He was the administrator. C'était l'administrateur. He will never send that guy. Donc il enverrait jamais celui-là. But he will send an apostle. Mais il enverrait un apôtre. Let him get killed. Que lui il soit tué. He was the least important of all the slaves. Le moins important de tous les esclaves. And of course, the slaves were not like the African slaves in America. Bien sûr, les esclaves à l'époque, c'était pas comme les esclaves en Afrique. They had rights. Ils avaient des droits. They were treated mostly with normal respect. Ils étaient traités la plupart du temps avec un respect normal. But still were property. Mais quand même, ils étaient la propriété d'eux. So that was the apostle in the society. Ça, c'était les apôtres dans la société. Jesus chose his apostles. Et Jésus a choisi ses apôtres. That he would send. Ce que lui allait envoyer. To the paths and the roads. Sur les chemins et les voies. With his mission. Avec sa mission. And who would get killed? Et qui allait être tué? From the 12, how many got killed? Des 12, combien ont été tués? 10. 10. One killed himself. Il y en a un qui s'est tué lui-même. You know, only John. Il y a que Jean. Survived. Qui a vécu jusqu'à la fin de sa vie naturellement. So apostles had a hard time. Donc les apôtres ont eu une vie difficile. And an apostle would be the person that would be sent. Un apôtre donc c'est quelqu'un qui était envoyé. And they would open new territory. Et puis ils ouvraient de nouveaux territoires. So they could start a new work. Pour qu'ils puissent commencer une nouvelle œuvre. Or give form to an existing work. Ou mettre en forme une œuvre qui existait déjà. For example, Paul. Par exemple, Paul. He did a lot of new works. Il faisait beaucoup de nouvelles choses. Galatia. En Galatie. All those cities. Toutes ces villes autour. Derbe, Lystra, Iconium. Paris. Ouais, Paris. peu importe toutes ces villes. You know, he arrived and there was nothing. Il est arrivé puis il y avait rien. And he began from zero. Et il a commencé de zéro. But sometimes Mais you parfois, see other works. Il y avait d'autres œuvres. That God started. Que Dieu avait commencé. And an apostle was sent to give form to et it. Et puis un apôtre était envoyé pour donner la forme. The first example is Philip. Le premier exemple c'est Philippe. Acts 8. Dans Acte 8. When the persecution comes. Quand la persécution est venue. All the disciples go through Israel. Tous les disciples sont partis. Philip goes to Samaria. Et Philippe est allé en Samarie. Boom. Et boom. Miracles, baptisms. Des miracles, des baptêmes. But Philip was limited. Mais Philippe était limité. He couldn't do more. Il pouvait pas faire plus. So he called apostles Donc to come. Il a appelé les apôtres pour qu'ils viennent. And Peter and John. Et Pierre et Jean. Travel 62 kilometers. On voyageait 62 kilomètres. To stay there for many days. Pour rester là pendant plusieurs jours. To teach these people how to be church. Pour enseigner ces gens pour être l'église. They couldn't do it on the phone. They had to go. Ils pouvaient pas le faire par téléphone. Ils devaient venir. Second example. Deuxième exemple. Barnabas. The same persecution. Two disciples go to the north. They go to Syria. Même persécution. Deux disciples vont au nord vers la Syrie. One disciple from Africa. Un disciple vient d'Afrique. And the other one from Cyprus. Et un autre de Chypre. And they start preaching the gospel for the first time to Gentiles. À prêcher l'évangile pour la première fois à des païens, des non-juifs. And a big revival. Et il y a eu starts. Un grand réveil. Big movement. Un grand mouvement. But they were limited. Mais ils étaient limités. They didn't know what else to do. Ils savaient pas quoi faire après. Jerusalem sends an apostle. Donc Jérusalem a envoyé des apôtres. Barnabas. He goes there. Il arrive. He checks the work. Il vérifie le travail. Says, yeah, this is God. Et dit oui, ça c'est Dieu. This is good. C'est bon. But I need help. Mais maintenant j'ai besoin d'aide. Because apostles actually should never be alone. Parce que les apôtres ils étaient jamais seuls. So Barnabas goes out of Antioch. Barnabas il sort d'Antioche. He travels all the way to Cilicia. Il voyage jusqu'en Cilicie. Where Tarsus is. Où il y avait Tars. And where Paul was for 10 years already. Et où Paul a passé 10 ans déjà. And he takes Paul with him. Et puis il prend Paul avec lui. And together with Paul. Et ensemble avec Paul. And 5 other men. Et 5 autres hommes. They give form to the whole work of Antioch. Ils ont donné une forme à toute cette œuvre, ce travail à Antioche. Acts 12, Acts 13. C'est Acte 12, Acte 13.
And he trained Paul. Et il a formé Paul as an apostle. En tant qu'apôtre. Barnabas was trained by the apostles in Jerusalem. Et Barnabas, il a été formé par les autres apôtres à Jérusalem. And Barnabas left Antioch with Paul. Et Barnabas est parti d'Antioche avec Paul. And in that journey, Paul becomes stronger than Barnabas. Et en chemin, Paul est devenu plus fort que Barnabas. And then you see the beauty of et the discipler. Vous voyez la beauté de celui qui fait un disciple. Barnabas steps back. Barnabas, il prend du recul. And he allows Paul to become the leading figure. De devenir le leader. Beautiful, eh? C'est beau, n'est-ce pas? That the apostle que l'apôtre submits se soumet to his disciple. À son disciple. That, you don't see that in the churches today. On voit pas ça dans les églises aujourd'hui. So those were the apostles. Donc ça, c'était les apôtres. And they were people that suffered a lot. Et c'est des gens qui ont souffert beaucoup. They were there to give their life away. Ils étaient là pour donner leur vie. And you see, when Paul, when the Corinthians were questioning Paul's apostleship, et quand à Corinthe, ils ont remis en question l'apostolat de Paul, and he sees himself forced to defend his position, qui se voit obligé de défendre sa position, what was his argument? C'était quoi son argument? Shipwrecks. J'ai eu des naufrages. Beaten up. J'ai été battu. Whipped. J'ai été fouetté. Stoned. J'ai été lapidé. In hunger. J'ai eu faim. In fear. J'ai eu peur. I'm an apostle. Je suis un apôtre. He didn't speak. I have baptized 3,000 people. Il a pas dit j'ai baptisé 3,000 personnes. Suffering. C'est la souffrance. Anonymity. L'anonymat. He was not famous. Il n'était pas célèbre. When he wrote the letter to the Romans, quand he had to explain who he was because they didn't even know. Aux Romains, il a dû expliquer qui il était parce qu'ils savaient même pas. So you see that that's the real apostle. Ça c'est le vrai apôtre. The second one is the prophet. Le deuxième c'est le prophète. Paul said the church is built upon the foundation of the apostles and the prophets. Paul a dit l'église elle est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Because an apostle needs a prophet. Parce qu'un apôtre le conduit le prophète. An apostle can prophesy. Un apôtre peut prophétiser. One thing is to prophesy. C'est une chose de prophétiser. Another thing is to be a prophet. Une autre chose, c'est d'être un prophète. Sometimes people come to our network in parfois, our city. Parfois, les gens viennent chez nous. And say I'm a prophet. Et ils disent, je suis un prophète. Good for you. Bah, c'est bien pour toi. To who are you a prophet? À qui est-ce que tu es un prophète? Envers qui? Because we don't know you. Parce que nous, on te connaît pas. You're welcome. T'es bienvenu. You can say what you want. Tu peux dire ce que tu veux. We will listen. On va écouter. But we don't know you. Mais on te connaît pas. You cannot be our prophet. Tu peux pas être notre prophète. Because the prophet comes to give you direction, vision from God. Parce que le prophète il vient pour te donner une direction, une vision de Dieu. The apostolic worker needs a prophet. Le travail de l'apôtre il a besoin d'un prophète. You know the prophets are full in prayer all the time. Les prophètes ils prient tout le temps. The apostle is very practical. L'apôtre il est très pratique. This has to be done. We go here, we go there, we get stoned. On va ici, on va là, on prend un coup. The prophet is praying, having le visions. Le prophète il prie, il a des visions. It's a very different kind of person. C'est très différent comme personne. One time I was in Cuba. Une fois j'étais à Cuba. With a friend of mine. Avec un ami. From Colombia. De Colombie. And long story happened, and our event gets cancelled, and we get kicked out. Alors c'est une longue histoire, mais en fait l'événement qui devait se passer a été annulé, donc on a été rejeté. With the danger to go to prison and all kinds of things. Avec le risque d'aller en prison et tout. So we left. Donc on est parti. With our backpacks. Avec nos sacs à dos. But we had no idea where to go. Non, on n'avait aucune idée où aller. And there's no public transportation in Cuba. Il n'y a pas de transport en commun à Cuba. So, so well, God will know. Donc Dieu va savoir. I am not prophetic. Je suis pas prophétique. I'm very down to earth. Je suis très pratique. But I like to be on the fire line. Mais j'aime bien être sur la première ligne. My friend is a bit more prophetic than me. Mon ami, il est un peu plus prophétique que moi. But he's not a prophet. Mais il n'est pas un prophète. But his community in Spain. Mais sa communauté en Espagne. They are very prophetic. Ils sont très prophétiques. So one of his wife actually, she received en fait, a vision. Sa femme a reçu une vision. We didn't tell her anything. On lui a rien dit. Because there's no internet in Cuba. Parce qu'il n'y a pas d'internet à Cuba. But then she sent him a message. Mais ensuite elle lui a envoyé un message. And she says, I saw you walking. Elle a dit j'ai vu que tu étais en train de marcher. With your backpacks. Avec ton sac à dos. On a lonely path. Sur une route isolée. And behind you was a big fan. Et derrière toi il y avait un grand ventilateur. And he was and there was a big flame in front of the il fan. Il y avait une grande flamme devant le ventilateur.
ventilateur. And the air was blowing small sparks. Et que l'air était en train d'envoyer des petites étincelles. And they were falling next to the path you were walking. Et qui tombaient près du chemin sur lequel tu marchais. And God said, focus on the sparks, not on the fire. Et Dieu a dit, concentre-toi sur les étincelles et pas sur le feu. So I get that message. Donc on a reçu ce message. Okay. D'accord. Thank your wife. Merci à ta femme. But then we're walking. Mais on était en train de marcher. And I see next to the path. Et puis près du chemin. A family that had been in the training. Je vois une famille qui avait été dans la formation. He was a pastor. On avait commencé. Il était pasteur. And he was with his wife and his daughter. Il était avec sa femme et sa fille. And the husband of his daughter. Et le mari de sa fille. And they came from the other side of Cuba. Et ils venaient de l'autre côté de Cuba. And because I like to get involved in their lives. Et parce que j'aime bien être impliqué dans leur vie. I figured out that the price they paid to get to the training. Je me suis dit que le prix qu'ils avaient payé pour venir à la formation was 5 times the salary of a month of a month of work. 5 fois le salaire d'un mois. Per person. Par personne. And they canceled the event because it went against their tradition. Et ils ont annulé la réunion parce que ça allait contre leur tradition. And they welcomed us in their house. Ils nous ont accueillis dans leur maison. And we had to travel by illegal bus. On a dû prendre des bus illégaux. By horse. Venir avec un cheval aussi. By bicycle taxi. Avec un taxi vélo. And in the trunk of a car. Et dans le coffre d'une voiture. To get to their house. Pour arriver chez eux. They had holes on the walls. Il y avait des trous dans les murs. Insects in the bed. Il y avait des petites bêtes dans les lits. And their church had no walls. Et leur église n'avait pas de mur. And when you were preaching, there were chickens walking between your legs. Et quand on prêchait, il y avait des poulets qui se promenaient entre les jambes. But that was the place God had sent us to. Mais c'est l'endroit où Dieu nous a envoyés. And I understood. Et j'ai compris. The big flame was the pastor la who invited us. Flamme, c'était le pasteur qui nous avait invités. The ventilator was the Holy le Spirit. Ventilateur, bah, c'était le Saint-Esprit. And the sparks next to the road were these people. Le long de la route, c'était ces personnes. That came out of the big event. Qui sont sortis de ce grand événement. And were waiting for us. Et qui nous attendaient. So then the prophecy made sense. Donc là, la prophétie a and pris knew, son sens. Okay, this is God sending us et to these people. Je savais que c'était Dieu qui nous envoyait à ces personnes. So as apostolic workers, the prophets in Spain helped us to find the way. En tant qu'apôtres, eh bien, les prophètes en Espagne nous ont aidés à trouver le chemin. So that's how it works together. C'est comme ça que ça travaille ensemble. So the prophet has a very important influence on the apostolic worker. Donc le prophète, il a une influence très importante sur l'apôtre. And also on the baby church. Et aussi sur l'église bébé. Because they bring revelation from God. Parce qu'ils amènent des révélations de Dieu. The churches are very different. Les églises sont très différentes. There are cultures. Il y a des cultures. Their background. Il y a un passé. Then you have the evangelist. Et puis il y a l'évangéliste. Do you know Torben? Est-ce que vous connaissez Torben? That's it. C'est ça. Boom, boom, boom. Wherever they go, things explode. Partout où ils vont, il y a des choses qui explosent. You know, you see blood and fire and demons and du sang, du feu, des démons. And they reach people very easily. Ils touchent des gens facilement. They have a very special power to get to new people. Ils ont une puissance spéciale pour atteindre les nouvelles personnes. They are all about sex. Il s'agit du sexe. In the comparison I made before. Si on compare avec ce dont je parlais avant. Let's make babies, babies, on babies. On va faire babies. Des bébés, faire des bébés, faire des bébés. They need the shepherds. Et puis ensuite, il y a les bergers. The shepherd is the mother figure. Ça, c'est l'image de la mère. Or father figure. Ou du père. He protects the lamb. Il protège l'agneau. From the wolves that come in. Des loups qui viennent. False doctrines, false teachings. Des fausses doctrines, des faux enseignements. The shepherd takes care of the broken lambs, the wounded sheep. Il prend soin des agneaux blessés, des agneaux abîmés. They have an eye. They see, hey, this brother, he's struggling. Ils peuvent voir les choses. Ah, ce frère-là, par exemple, il a du mal. The evangelist will say, no, he's great. He baptized someone yesterday. Hallelujah. Il va dire, mais non, tout va bien. Il a baptisé quelqu'un hier. He will not see it. Et il va pas voir ça. And the shepherd is suffering. Oh, et le berger il souffre. You ask the evangelist, how are things? L'évangéliste on lui dit comment ça va? Great, the Lord is showing ouais, power. Super, le Seigneur il montre sa puissance. You ask the shepherd, how are things going? Le berger comment ça va? Oh, it's a fight. Ah mais c'est une lutte.
We need more fasting. On a besoin de plus de jeûne. And they pray with tears. De jeûner plus. Well, the other ones pray. The other ones pray with joy. Alors que les autres ils prient avec joie. We need both. On a besoin des deux. And the shepherd takes care of the weak and the wounded. Le berger, il prend soin des faibles et des blessés. He feeds. Et il nourrit. Good food. Une bonne nourriture. He leads people to places where they can get fed. Conduit les gens à des endroits où ils peuvent être nourris. I am a very bad swimmer. Moi, je suis un très mauvais nageur. I can float. Je peux flotter. After 2 days. Après 2 jours. Water and me. L'eau et moi, ça va pas. But in Holland, all the children must learn swimming. Mais en Hollande, tous les enfants doivent apprendre à nager. So I cannot teach my children to swim. Alors je peux pas enseigner mes enfants à nager. But I'm responsible that they learn to swim. Mais je suis responsable quand même qu'ils apprennent à nager. So I take them to a swimming teacher. Donc je les emmène à un maître-nageur. But I'm the one responsible. Mais c'est moi qui suis responsable. You see the difference? Vous voyez la différence? I'm not a prophet. Je suis pas prophète. But my disciple is really prophetic. Il est très prophétique. So I connect him. Hey, I have a brother there who's really good at prophecy. Je dis, écoute, j'ai un frère là qui est vraiment bon dans la prophétie. Connect. Alors connectez-vous. Learn. Apprenez. But all the prophets are a little bit crazy. Mais les prophètes, ils sont tous un peu fous. So maybe he's a little bit too prophetic. Donc peut-être il est un peu trop prophétique. So then I help myself. Okay, that is good, but that. Leave it aside. Alors ensuite, je vais dire à mon fils, bah ça c'est bon, mais par contre ça, bah laisse ça de côté. I'm responsible for this soul. Parce que je suis responsable pour son âme. So I help him to grow strong. Donc je l'aide à grandir fort. Paul said to the Corinthians. Paul a dit aux Corinthiens. You may have 10,000 mentors. Peut-être que tu as 10,000 mentors. But only one father. Mais il y a qu'un seul père. I father you in c'est Christ. C'est moi qui suis ton père en Christ. So that's the shepherd. Donc c'est ça un berger. And there's a teacher. Et puis il y a l'enseignant. Who teaches? Qui enseigne? Explain things. Il explique des choses. A teacher is not supposed to teach his conclusions. Un enseignant, il doit pas enseigner ses conclusions. A teacher is to teach people to think. Un enseignant, il doit enseigner aux gens à penser. I don't mean, of course, what I'm doing now is not the biblical teaching. Bien sûr, ce que je fais maintenant, c'est pas l'enseignement biblique. What I teach to the people I disciple. Quand j'enseigne les gens que je suis en train de former comme disciples, I teach them to eat by themselves. Je les enseigne à manger d'eux-mêmes. I teach them how to interpret the Bible. Je les enseigne à interpréter la Bible. I teach them how to find the answers. Je les enseigne à trouver les réponses. When they don't have an answer, quand ils n'ont pas de réponse, I let them suffer for a while and je think. Les laisse souffrir un moment et réfléchir. I'm preparing them for my absence. Et je les prépare pour quand je ne serai pas là. If I'm here now for 2, 3, 4 weeks, si je suis là pendant 2, 3, 4 semaines, I know they will not collapse. Je sais qu'ils vont pas s'écrouler. Because they don't depend on me. Ensuite, quand je m'en vais, parce qu'ils dépendent pas de moi. I have taught them to find answers. Je les ai enseignés à trouver des réponses. When they are babies and false doctrines come on their way. Quand ils sont des bébés et que des fausses doctrines viennent vers eux. I'm very nervous. Alors, je suis très nerveux. Right now. Maintenant. I trust them. Je leur fais confiance. Because they will test it. Parce qu'ils vont tester les choses. You know, so that's the. These are the ministries. Ça, c'est les ministères. And but these are not leaders. Mais ce sont pas des leaders. These are functions. Ce sont des fonctions. You can be a teacher, but you are not a leader. On peut être un enseignant, mais on n'est pas un leader. You can be a prophet, but not a leader. On peut être un prophète et pas un leader. When you read, you know the leaders are the deacons. Les leaders, ce sont les diacres. And the elders. Et les anciens. And they can be one of these. Et ils peuvent être l'une de ces choses. Or maybe none of them. Ou peut-être aucun. Has nothing to do with it. Ça n'a rien à voir avec ça. The only thing they need to do. La seule chose qu'ils doivent faire. They should be well in these two. C'est quand même d'être assez bon dans ces deux choses. They should take care. Ils devraient prendre soin. Love people. Aimer les gens. Care for them, et prendre soin d'eux, and should be able to teach. Et devrait être capable d'enseigner. That's something that they must be able to manage. C'est quelque chose qu'ils doivent arriver à gérer. But I can tell you more about deacons and elders later, because. Je parlerai un peu plus tard plus des diacres et des anciens. Because these two are the last step. Parce que ces deux choses, ce sont la dernière étape. You begin making disciples. That's it. On commence en faisant des disciples. That's it. C'est tout.
You make disciples. On fait des disciples. And you teach them to make disciples. Et on leur enseigne de faire des disciples. So if you do your job well, donc si vous faites votre travail correctement, it starts multiplying. Everyone starts having their own disciples. Chacun commence à avoir ses propres disciples. After a while, et après un moment, you have 50, 60, 100 people. Vous avez 50, 60, 100 personnes in small groups, dans des petits groupes. Then you appoint deacons. Et là, vous devez avoir des diacres. That's at the end. À la fin. Because a deacon and an elder, they have to prove themselves. Parce qu'un diacre et un ancien, ils doivent prouver qu'ils peuvent être ça. They have to be holy. Ils doivent être saints. Not in fights with other people. Pas se bagarrer avec d'autres, être en dispute avec d'autres gens. Hospitable. Être hospitalier. Not drinking. Pas boire much. Trop. Well, the deacons are not supposed to drink much. The elders are not supposed to drink. Doivent pas boire beaucoup et les anciens doivent pas boire du tout. They should have only one wife. Ils devraient avoir qu'une seule femme. Can a woman be an elder? Est-ce qu'une femme peut être un ancien? Only she has a wife. Seulement si elle a une femme. They need to have a good marriage. Ils doivent avoir un bon mariage. Children well raised. Des enfants bien élevés. They should be patient. Ils doivent être patients. Loving. Montrer de l'amour. And they should be able to use the word correctly. Et ils doivent être capables d'utiliser la parole correctement. So all of those things need time. You need to see it in their life. That takes time. Toutes ces choses, ça prend du temps. Et il faut voir ces choses dans leur vie. In our city, donc dans notre ville, there is about probably, I don't know, probably 50 disciples or more. Il y a peut-être 50 disciples, je ne sais pas, à peu près. And just now we are about to start appointing our first deacons. Et maintenant seulement, on va commencer à nommer les premiers diacres. And bring unity in the whole work. Et amener une unité dans toute l'œuvre. But it's the last thing you do. Mais c'est la dernière chose qu'on fait. And after we appoint deacons, et après avoir nommé des diacres, and we see it functioning well, et voir comment ça fonctionne, and we have good deacons, et qu'on a des bons diacres, then some of them will be elders, alors il y en a qui seront des anciens, and then my hands are free. Et puis ensuite je suis libre. And I can move to do a new work. Et je peux bouger pour faire autre chose. And you can read for that if you want Acts 20. Et dans Acte 20, and there's where Paul has a meeting. Voilà où Paul a une réunion with the elders of Ephesus. Avec les anciens à Éphèse. And he says goodbye to them. Et il leur dit au revoir. And it's a very beautiful speech. Et c'est vraiment un beau speech. And very confronting also. Et mais ça confronte aussi. But then you see the end of a work. Et puis on voit la fin d'une œuvre. And then the local workers take it over. Et ensuite les travailleurs locaux vont prendre le relais. That's it. Voilà. Do you have questions?